En fait, je peux te poser une question? Quoi? Ben, je voulais savoir, tu m'aimes comment? Quand je te vois, mon cœur, il fait... Mon cœur, il s'est pissé tellement il a reçu un coup de pression de ton amour. Je t'aime comme un plat de coucous bien garé aux yeux de tous les Français et les Françaises. Je t'aime comme un poisson dans l'eau. Je t'aime comme les doigts que l'on toujours. Je suis là, demain, je suis pas là. Je t'aime comme la fierté algérienne, maman. Me regarde pas trop. Sinon tu auras envie de moi. Bonne journée. Oui, oui, madame, ça va? Ça va et vous, monsieur? Oui, ça va, ma Ramadan. Ça va, madame, je vais vous donner un peu de temps, madame. Dis-moi que tu rigoles. Non, je rigole pas. Tu fais pas le ramadan? Ah oui. Voyons, mange. Dis-moi que tu rigoles. Oh, ouais, frérot, parce que je suis malade, frérot. T'es malade? Bah oui. Et pourquoi tu te caches aux toilettes? Je vous l'avais dit ou pas, la chaîne Texas Antenne à ton goût. Mon cœur, ouais. Tu vas pas me croire. Quoi? J'ai croisé un gars en rentrant dans la voiture, tu sais pas ce qu'il me dit? Non. Ouais, pour 20 euros, je te fais petite gâterie et tout. Je lui dis, mais t'es malade? N'importe quoi. Non, mais c'est, je suis choqué en vrai. Non, mais c'est un truc de dingue. Pourquoi tu boites? Je suis tombé dans les marches. C'est une blague. Pourquoi tu boites? Tu fais exprès là? Non, mais c'est, je me suis fait mal, c'est tout. Pourquoi tu boites? Parce que je suis tombé dans les escaliers. Je t'ai pas entendu tomber là. Eh bien, c'est tout à l'heure. Ouais, c'est quoi ça? Ça, c'est rien, c'est de la monnaie. C'est quoi ça? De la monnaie. Tu te fous de ma gueule? Les blancs, quand ils font l'amour, ils s'enroulent tendrement comme des serpents, tout doucement. C'est doux en fait, mais chez nous, tant que ton zizi n'a pas touché le cœur de la fille, elle va dire que tu es nul. C'est un amusement, c'est un plaisir. C'est pas gay. On est bien d'accord que quand un collier ne rentre pas dans une boîte aux lettres, on sonne chez les gens. Déjà, avant toute chose, on sonne d'abord chez les gens pour voir s'ils sont chez eux pour leur donner leur colis. Du coup, j'ouvre, je trouve mon colis là, mais je fais comment pour le retirer maintenant? Putain, comment ils ont fait pour le rentrer déjà? Libéré, délivré, je rentre à la casbah, dans mon canapé, fumer des clopes. Oh oui, c'est trop trop bon pour moi. Tu sais que t'es comme une drogue pour moi. Ah bon? Mmh. Tu me coûtes cher et tu ruines ma vie. Mais quel connard! Tiffaine! Mais bouge pas! Bouge pas! Là, il va se faire le rempoint, c'est pas possible. Ah, c'est sûr, regarde. Viva, viva. Merci.
Chez nous, la haram, tu fais à manger. Tu fais plaisir à tout le monde. Tu fais les repas qu'ils veulent. Tu leur fais les desserts qu'ils veulent. Tu leur fais le nahna. Ou des lots kulchi. Tu débarrasses. Tu fais la vaisselle. Tout. 5h30 du matin, je me lève. Tout le monde dans la cuisine, la tête éclatée. Personne ne te réveille. Tout le monde quelque chose dans la bouche, en train de manger. Tout le monde se regarde comme ça. Et moi, tu me réveilles pas, tu me réveilles pas. Il y en a marre d'entendre les gens dire tu roules pas avec une vraie Porsche. Donc maintenant, on va vous calmer. Voilà. Alors, c'est pas une vraie Porsche ça? Une Porsche en lit de 5 décis, il y a quoi? Ah ma chérie. Oui mon cœur. Tu te rappelles l'autre fois quand on a fait l'amour pendant 1h05? Comment c'était chaud. Ah oui, je me souviens, c'était le jour du changement d'heure. Ah. Salut Cathy. Kevin. 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 Quoi? Ben, tu me dis pas au revoir? J'ai pas le temps. En plus, je crois que c'est un fou, tes vidéos de merde. Je vais pas faire 100 000 vues sur ton compte toutes les semaines. Hein. Ça fait boum. Ça fait zoom. Non, par contre, sérieusement, tu commences franchement à me saouler là. Donc, t'arrêtes de filmer tout de suite. Arrête. Aïe. Bédé. Vas-y là, tu m'as fait mal. T'es en fou quoi, toi? Tu m'as poussé. T'as ce que tu mérites. Aïe. Aïe. Arrête, j'en ai besoin. J'en ai rien à foutre. C'est clé de quoi? C'est clé du coffre? Mais t'es gros débile, va. T'es vraiment un gros débile, je te jure. Allez, bon week-end. Je me casse. Je pense officiellement que je suis bonne. Et qu'elle, elle est méga, très, trop bonne. Non, starfallah. Non, me dis pas ça, c'est ma mère ça. Non, comment je vais faire pour vivre? Oh non, j'ai oublié ma trousse. Eh, s'il te plaît, tu peux me prêter un stylo? Oh là là, t'es chiant, t'as jamais tes affaires. Non, je te promets que c'est la dernière fois que j'oublie, merci. Oh là là, il est pénible. Alexandre, s'il te plaît, tu peux me prêter ta colle? Ah non, mais là, sérieux, là, t'abuses. Je te promets, j'ai oublié toutes mes affaires chez moi. Tiens, merci, t'es le boss. Ceux qui n'ont pas ramené leurs affaires, ça va être une punition. Une punition? Heureusement, je l'ai pris. J'ai toutes mes affaires, monsieur. Non, mais là, c'est l'écureuil qui se fout de la charité, en fait. Bah quoi? T'as toutes tes affaires, t'as une boîte à chaussures à réserve et tu me demandes mon matériel. Oh, c'est bon, ça arrive à tout le monde d'avoir la flemme, oh là là. Redonne-moi mon stylo et ma colle tout de suite. Ça fait boum boum, y'a rien à grailler là-dedans. Je veux un câlin et un orgasme. Je veux un câlin et un orgasme. Un calasme quoi? Je suis le seul à garder ce genre de caleçon. Tu n'es pas seul. Celui-là, on a un record. Oh, il est tout petit, celui-là. Tous les mêmes. S'il vous plaît. Otskalbna. Que souhaitez-vous faire? Otskalbna, otskalbna.